There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Pendant des années, des rumeurs ont circulé, des théories du complot ont fait rage, et les sceptiques ont osé rêver de la possibilité que des extraterrestres existent dans les laboratoires gouvernementaux. Mais maintenant, dans une révélation renversante qui enverra des ondes de choc à travers la trame même de notre réalité. Le 44e président des États-Unis, Barack Obama, brise enfin le silence et dévoile des révélations ahurissantes sur l'implication extraterrestre dans les plus hautes sphères du pouvoir. Mais que savait l'ancien président Obama de l'existence de la vie extraterrestre? Et pourrait-il y avoir un secret venu d'ailleurs caché dans les couloirs du pouvoir? Joignez-vous à nous dans ce voyage palpitant, alors que nous dévoilons comment Barack Obama a finalement révélé l'existence d'extraterrestres dans les laboratoires gouvernementaux. Pendant de nombreuses années, le gouvernement américain s'est engagé dans une mission inébranlable pour démêler les secrets étranges des ovnis, tandis qu'un public curieux cherche avidement des réponses. Lors d'une captivante enquête réalisée par Ipsos en 2020, il a été révélé que près de la moitié de tous les Américains croient que des êtres extraterrestres ont visité notre planète. Bien que les observations d'ovnis ne se limitent pas aux États-Unis, ils se produisent dans le monde entier. Mais les États-Unis revendiquent une part considérable, suivie de près par les nations anglophones. Cette tendance particulière doit beaucoup à la fascination générale pour la science-fiction. Alors que les récits de rencontres avec des extraterrestres continuent d'envahir nos écrans, les gens sont de plus en plus enclins à attribuer des événements inhabituels à des visiteurs venus de lointaines galaxies. De plus, les États-Unis occupent une position de premier plan dans cette quête mystérieuse. De manière remarquable, le président des États-Unis détient une autorité unique qui lui permet d'enquêter et de déclassifier des informations sur ces phénomènes cryptiques. Cet accès sans précédent lui confère potentiellement une compréhension plus profonde de l'inconnu que tout autre dirigeant mondial, renforçant davantage son rôle à l'avant-garde de cette entreprise mystérieuse. Pendant ce temps, dans le monde toujours curieux des ovnis, l'une des incursions les plus récentes dont nous avons connaissance est le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, une initiative secrète qui s'est déroulée de 2007 à 2012. Elle s'est principalement déroulée sous l'administration Obama, une époque où l'intérêt pour les mystères extraterrestres a atteint des sommets remarquables. Même le président Obama lui-même s'est retrouvé à répondre à des questions sur ces énigmes déconcertantes, éclairant ainsi un monde jusque-là caché d'enquêtes sur les ovnis top secrètes. Lors d'une interview franche avec le magazine GQ, il a levé le voile sur le domaine secret en avouant « Ce qui se passe dans le top secret n'est pas aussi excitant que ce à quoi vous vous attendez. » Pourtant, l'intérêt du gouvernement pour les ovnis persiste, alimenté par un flux constant de signalements du public concernant ces observations insaisissables. Certaines de ces enquêtes restent enveloppées de mystères pendant des années, voire des décennies, après les événements. Lors d'un moment ludique à l'émission The Late Late Show en mai 2021, Barack Obama n'a pas pu s'empêcher d'amuser l'idée d'un laboratoire gouvernemental secret abritant des spécimens et des engins extraterrestres. Mais il n'en est pas resté là. Avec un ton plus sérieux, il a partagé de manière alléchante. Ce qui est vrai, et je suis sérieux là-dessus, c'est qu'il existe des enregistrements et des documents d'objets dans le ciel que nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se déplacent, leur trajectoire. Cette révélation s'aligne avec un changement plus large dans la position du gouvernement, un départ surprenant par rapport à des décennies de déni des ovnis, reconnaissant désormais la réalité de ces phénomènes inexpliqués. C'est un signe que, même si la vérité peut parfois sembler banale, la quête de compréhension continue d'éveiller la curiosité au plus haut niveau de leadership. En revanche, Donald Trump semblait plutôt peu enthousiaste en CE qui concerne les ovnis, partageant ouvertement son scepticisme lors d'une interview avec ABC News. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la possibilité de divulguer des informations sur les êtres extraterrestres avant de quitter ses fonctions, il n'a pas pu s'empêcher de trouver la question quelque peu amusante.
Il a admis que beaucoup l'avaient abordé avec une véritable curiosité au sujet de Roswell, un lieu empreint de mystère. Bien qu'il n'ait pas révélé de secrets classifiés, il a laissé entendre qu'il était conscient de l'énigme de Roswell, reconnaissant l'intérêt généralisé. En réponse à la question de savoir s'il pourrait déclassifier des informations liées aux ovnis, Trump a joué avec l'idée de manière ludique, révélant une lueur d'intérêt. Il comprenait le charme indéniable de ces sujets, reconnaissant le désir sincère de millions de dévoiler les mystères de ces événements inexpliqués. Ce faisant, il faisait écho à la curiosité plus large qui unit d'innombrables individus, tous plongés avec enthousiasme dans le voile de secrets entourant le phénomène OVNI. Pendant ce temps, dans une révélation à couper le souffle, Haïm Eshed, l'ancien chef du programme de sécurité spatiale d'Israël, a affirmé avec audace que non seulement les êtres extraterrestres existent, mais qu'ils sont en contact avec les États-Unis et Israël depuis des années. Cette déclaration stupéfiante est apparue dans une interview avec un journal israélien, éclairant un monde obscur où les humains et les extraterrestres partagent une connexion mystérieuse. Eshed, qui a consacré près de 3 décennies à superviser le programme de sécurité spatiale d'Israël, a qualifié CES entité, venue d'ailleurs de Fédération Galactique des Aliens. Selon lui, même l'ancien président Donald Trump connaissait leur existence, flirtant avec l'idée de révéler leurs secrets étranges. Cependant, Eshed affirme que la Fédération Galactique a exhorté Trump à ne pas divulguer cette information, craignant une panique généralisée. La raison de garder cette révélation étonnante cachée, comme l'explique Eshed, repose sur la croyance que l'humanité n'est pas encore prête pour une connaissance aussi profonde. Ces êtres extraterrestres attendent patiemment notre évolution, anticipant un moment où nous pourrons comprendre les subtilités de l'espace et des vaisseaux spatiaux. C'est un concept remarquable de notre compréhension de l'univers, façonnant quand et comment ces êtres choisissent de se révéler. De plus, Eshed a dévoilé l'existence d'un pacte secret entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ce pacte soulève des questions intrigantes sur la nature des expériences menées sur Terre et sur la façon dont elles pourraient finalement bénéficier à l'humanité. Dans un retournement saisissant, Eshed a également révélé l'existence d'une base secrète enfouie sur Mars, où des envoyés américains et extraterrestres se rencontrent. Les implications sont renversantes, suggérant un niveau de collaboration et d'interaction qui transcende notre compréhension conventionnelle. À 87 ans, Eshed a choisi de partager cette révélation extraordinaire, motivé par le désir que ses affirmations soient reconnues comme vraies. Il a admis que s'il avait fait de telles déclarations 5 ans plus tôt, il aurait probablement été rejeté, voire institutionnalisé. Néanmoins, il estime qu'il n'y a guère de risque à révéler ces secrets bien gardés aujourd'hui. Bien que le président Trump n'ait pas encore commenté les révélations d'Eshed, certains ont souligné que sa création de la force spatiale en tant que 5e branche des forces armées américaines pourrait indiquer une préoccupation plus profonde à l'égard des questions extraterrestres qu'il ne l'a publiquement admis. Le monde observe avec fascination et anticipation les affirmations stupéfiantes de Haïm Eshed qui continuent de se propager à travers le globe, nous laissant tous nous interroger sur les mystères qui pourraient se trouver au-delà des frontières de notre planète. Cependant, selon l'histoire, Harry S. Truman, qui a été président de 1945 à 1953, peut être considéré comme l'un des premiers dirigeants à plonger dans le domaine ambigu de l'exploration extraterrestre. À la fin des années 40, pendant son mandat, le gouvernement américain a lancé les projets Sign et Grudge, premières incursions dans le monde des enquêtes sur les ovnis. Bien que ces premiers efforts n'aient pas produit de résultats révolutionnaires, ils ont ouvert la voie au célèbre projet Blue Book qui a pris son envol en mars 1952. Cette initiative a acquis une notoriété, surtout après le remarquable incident d'OVNI à Washington DC en juillet de la même année, lorsque divers objets volants non identifiés ont dansé gracieusement dans le ciel de la capitale, survolant même l'espace aérien au-dessus de la Maison Blanche. En réponse à l'effervescence du public, la CIA a mis en place le comité Robertson pour examiner méticuleusement les conclusions du projet Blue Book, en mettant l'accent sur la détermination de savoir si les OVNI représentaient une menace pour la sécurité nationale. Finalement, le comité et le projet Blue Book
ont tous deux souligné l'importance de l'éducation du public concernant les phénomènes aériens, envisageant un avenir avec moins de visiteurs célestes inexpliqués. Cependant, la fascination captivante de l'Amérique pour l'inconnu cosmique continuait de briller aussi intensément qu'une nuit étoilée, montrant que notre curiosité envers les mystères au-delà de notre monde demeure intacte. Les présidents ont parfois plongé dans le domaine intrigant des extraterrestres. Bill Clinton, lors de sa présidence, s'est aventuré dans le dilemme qu'est la zone 51. Il a affirmé avec assurance qu'il avait examiné attentivement tous les dossiers classifiés pour s'assurer qu'aucun être extraterrestre n'était caché là-bas. Selon lui, la base du Nevada se concentrait exclusivement sur le développement de la technologie furtive, dissipant toute idée qu'il s'agissait d'une cachette d'extraterrestres. Cette position officielle est restée inchangée, même après la déclassification de la base en 2013. Cependant, le voile de secret entourant la zone 50 est un continu d'alimenter les spéculations extraterrestres. L'armée de l'air la garde avec une vigilance inébranlable. Lorsque le même viral Storm Area 51 a gagné en popularité en 2019, un avertissement sévère a rapidement mis en garde les amateurs d'extraterrestres potentiels de rester à distance. La zone 51 conserve son rôle inégalé dans le folklore contemporain des ovnis. Malgré l'insistance de Clinton sur sa nature terrestre, le mystère perdure. La zone 51, longtemps enveloppée de mystères et de rumeurs chuchotées de phénomènes aériens étranges, gardait jalousement ses secrets, protégés par ceux qui savaient. Parmi les ombres, une silhouette solitaire, Robert Lazar, a brisé le silence. Il est entré dans la lumière, partageant ses rencontres au sein de S4, une installation secrète nichée juste au sud de la zone 51. Au sein des murs de S4, Lazar a révélé une réalité qui défiait la compréhension humaine. Il parlait d'assiettes volantes, de réacteurs à antimatière et de merveilles technologiques qui défiaient les limites terrestres. Avec une conviction inébranlable, il déclarait « Cela vient d'ailleurs. Je veux dire, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est là. Je l'ai vu. Je connais l'état actuel de l'art en physique et cela ne peut pas être fait. » SE's révélations ont approfondi le mystère entourant la zone 51. Les révélations de Lazar étaient d'autant plus stupéfiantes que ces engins extraterrestres n'étaient pas des incidents isolés, mais une flotte de neufs. Chacun avait son hangar dédié, chacun une merveille unique en design et en but. Pour Lazar, les preuves étaient indiscutables, la preuve d'un génie extraterrestre surpassant l'imagination humaine. Les systèmes complexes, les sources d'énergie ambiguës et les disques volants qu'il a rencontrés ont laissé une empreinte indélébile, offrant une preuve indéniable d'une réalité au-delà de la nôtre, une vérité gravée dans sa certitude inébranlable. Le voyage intrigant de Lazar sous les feux de la rampe a commencé en 1989, une année charnière où il a émergé de l'obscurité. George Knapp, son ancien collègue à la chaîne KLAS-TV de Las Vegas, a joué un rôle clé dans cette révélation. Initialement, Lazar a caché son identité, se dissimulant dans le voile de l'anonymat, parlant en tant que simple silhouette et adoptant le pseudonyme énigmatique Dennis. Mais à mesure que le temps passait, Lazar a courageusement abandonné son déguisement, émergeant sous les projecteurs avec son vrai nom. SE's affirmations, bien qu'audacieuses, ont alimenté l'imagination collective. Lazar affirmait que le gouvernement américain détenait en sa possession 9 vaisseaux extraterrestres, récupérés après des crashs ou saisis en état impeccable. Parmi cette collection stupéfiante, au moins l'un arborait la forme emblématique de soucoupe. Lazar déclarait avec audace qu'il avait été membre d'une équipe restreinte embauchée par le gouvernement pour élucider les mystères de ces vaisseaux déconcertants grâce à un processus appelé « ingénierie inverse ». Il croyait que cette entreprise pourrait offrir aux scientifiques américains les clés d'une technologie de propulsion révolutionnaire, ouvrant potentiellement la porte à l'exploration interstellaire. Mais le parcours de Lazar a pris une tournure inattendue lorsqu'il a perdu son emploi à la base militaire secrète. La cause? Une escapade audacieuse dans le désert près de la zone 50 et un lors d'une nuit fatidique, accompagné d'amis, visant à observer clandestinement le volume d'essais d'une de CES soucoupes. Leur mission secrète,
a attiré l'œil vigilant d'un adjoint vigilant du comté de Lincoln, qui a rapidement alerté le gouvernement des activités de Lazare, modifiant à jamais la trajectoire de sa vie et le secret qui enveloppait la zone 51. Le récit de Lazare a tissé une riche toile, mêlant les fils des enlèvements extraterrestres et des complots gouvernementaux obscurs. Son compte rendu extraordinaire a profondément résonné auprès du public, laissant une empreinte indélébile dans la culture populaire. Il a influencé des séries animées comme American Dad et des films à succès comme Paul et Independence Day. Pourtant, les affirmations remarquables de Lazare ont non seulement propulsé la zone 50 et 1 sous les feux de la rampe, mais l'ont aussi soumis à un intense éclairage. Les sceptiques et les enquêteurs ont scruté avec enthousiasme son récit, se lançant dans une quête de vérité au milieu du terrain toujours ambigu des mystères extraterrestres et du secret gouvernemental. Au milieu des conversations chuchotées sur les atterrissages d'OVNI, une grande théorie du complot plane, laissant entendre qu'il y aurait une dissimulation par le gouvernement et l'armée américain de l'existence extraterrestre. Les candidats à la présidence ont parfois pris la parole, promettant de dévoiler ces secrets bien gardés une fois qu'ils auraient assumé la plus haute fonction. Mais la vérité reste irrésistiblement hors de portée. Un tel candidat était Jimmy Carter, qui a pris les rênes de la présidence en 1977. La notoriété de Carter repose sur une rencontre personnelle avec un OVNI qu'il a eu en 1969, un récit qu'il a relaté 4 ans plus tard. Carter a décrit vivement une lumière verte venue d'ailleurs qui défiait toute explication, gravant sa danse envoûtante à travers le ciel nocturne dans sa mémoire. Elle changeait de couleur pendant environ 10 minutes captivantes. L'enquête officielle sur l'expérience de Carter a commencé en 1976, un an avant sa présidence. Bien que certains témoins présumés ne se souviennent pas de l'incident, Carter a maintenu fermement son récit. Il avait promis pendant sa campagne de se plonger dans les enquêtes sur les ovnis une fois au pouvoir, suscitant des espoirs de réponse, notamment en ceux qui concernent l'emblématique incident de Roswell, qui avait laissé une empreinte indélébile dans la légende des ovnis 3 décennies auparavant. Pourtant, la promesse de Carter est restée lettre morte, enveloppée de références vagues aux implications de défense. Différents présidents ont tâté le terrain des ovnis, ajoutant chacun leur brin unique au tissu de la spéculation extraterrestre. Ronald Reagan, lors d'un discours mémorable aux Nations Unies en 1987, a évoqué les ovnis comme une métaphore pour illustrer comment les conflits mondiaux pourraient s'atténuer face à une menace extraterrestre potentielle. De même, lors de sa campagne en 2016, Hillary Clinton a fait écho à la promesse de Jimmy Carter des années 70, s'engageant à révéler les vérités sur les ovnis. Cependant, les circonstances l'ont poussé sur une autre voie, privant le public enthousiaste de la divulgation tant recherchée. Bernie Sanders, lors d'une conversation franche avec Joe Rogan en 2019, a fait une promesse similaire, jurant une transparence sur les ovnis s'il remportait la nomination démocrate et la présidence. Néanmoins, les rebondissements imprévisibles des parcours politiques ont prévalu, et Sanders s'est finalement retiré de la course, laissant l'énigme des ovnis frustrante et inchangée. Lors d'une apparition en tant qu'invité dans l'émission The Late Late Show, l'ancien président Bill Clinton a été confronté à une question pressante sur les ovnis, suscitée par des images récentes du Pentagone montrant des phénomènes aériens non identifiés. Payne, l'animateur a plongé dans des programmes intrigants comme le projet Blue Book et le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, ATIP. Le président Clinton a répondu ouvertement, reconnaissant la légitimité de l'enquête sur ces objets déconcertants qui semblaient défier les lois de la physique. Il a admis que sa curiosité à ce sujet s'était étendue sur des années et que pendant son mandat de président, il n'avait pas pu fournir de réponse définitive. Même les plus hautes sphères du gouvernement ont eu du mal à percer ce mystère persistant. Fait intéressant, pendant sa présidence, le président Clinton partageait une passion pour la science-fiction avec son chef de cabinet, John Podesta. Ensemble, ils se sont lancés dans une quête pour élucider les mystères de Roswell, un lieu imprégné de légendes d'OVNI. Leur curiosité les a conduits à envoyer du personnel dans la mystérieuse zone 51, une installation enveloppée de secrets.
Interrogé sur les personnes impliquées dans cette mission, il a esquissé un sourire entendu et a fait un signe de tête en direction de feu Sandy Berger, son conseiller à la sécurité nationale, qui avait entrepris cette mission secrète. Le président Clinton a souligné que la zone 51 avait une immense importance, se concentrant sur la recherche de l'invisibilité et sur une technologie de pointe, notamment des avions capables d'éviter la détection radar. Cet exploit technologique fascinait depuis longtemps tant les stratèges militaires que les passionnés de conspiration. Pour vraiment saisir la genèse de la zone 51, nous devons remonter au cœur de l'ère intense de la guerre froide, vers le milieu des années 50. C'était une époque où le gouvernement des États-Unis, étroitement supervisé par la CIA, s'est lancé dans une mission cruciale. Le développement d'avions de surveillance à haute altitude. Ce projet ambitieux, célèbre sous le nom de Projet U2, exigeait un site d'essai éloigné et caché. Ainsi, en 1955, la zone 51 fut créée. Nichée au milieu de montagnes imposantes et d'immenses étendues désertiques arides, cet emplacement offrait le parfait camouflage pour des opérations clandestines, loin des regards curieux du monde. Pendant ces premières années, la zone 51 est restée un secret bien gardé. Sa mission principale tournait autour des tests et de l'avancement d'avions de reconnaissance, notamment le célèbre U-2, l'énigmatique A-12 et le furtif F-SANT 17 Nighthawk. Ces avions possédaient des designs non conventionnels et des capacités de pointe, conduisant souvent des témoins inattentifs à les confondre avec des objets volants non identifiés, OVNI. De telles observations ont alimenté les spéculations précoces sur les activités mystérieuses se déroulant dans l'enceinte de l'installation. Par conséquent, la zone 51 est devenue un creuset de mystères et d'intrigues, enveloppé de couches de secrets et gravé à jamais dans les annales du folklore américain. Ainsi, bien que le président Clinton ne détienne peut-être pas toutes les réponses, ces anecdotes franches éclairent la fascination et l'intrigue durable qui entoure le monde étrange des phénomènes aériens, non identifiés, des installations de recherche secrètes et de la quête inlassable pour comprendre l'inconnu. C'est un domaine où les frontières entre la science-fiction et la réalité s'estompent, nous laissant avec plus de questions que de réponses et perpétuant notre soif inextinguible de compréhension. En 2018, l'ancien président Clinton et Hillary se sont lancés dans un voyage vers les îles paradisiaques d'Hawaï. Leur destination ultime, la Grande Île, abritant une montagne imposante couronnée d'une couronne céleste. Le télescope Keck, le plus puissant de son genre sur Terre. Mais ce qui se trouvait au-delà du regard du télescope les fascinait encore davantage. Alors qu'ils plongeaient plus profondément dans ce sanctuaire céleste, ils ont rencontré un conclave mondial de scientifiques rassemblés autour de leurs instruments. Ces esprits brillants venaient de coins divers du monde, tous attirés par cette montagne sacrée. La question qui flottait dans l'air était simple mais profonde. Débattez-vous de la probabilité de la vie au-delà de notre planète? Un signe d'approbation a préparé le terrain pour une conversation intrigante. Les scientifiques n'ont pas hésité à partager leurs débats passionnés. Certains croyaient que les chances étaient aussi élevées que 95%, tandis que d'autres penchaient légèrement vers 85%. Ces observateurs du ciel avaient consacré leur vie à démystifier l'énigme cosmique. En parlant, il est devenu évident. Un consensus existait, une croyance en la forte probabilité de la vie prospérant au-delà de la Terre. Les innombrables systèmes solaires parsemant la toile cosmique ont renforcé cette nouvelle perspective, amplifiant l'appel à protéger notre planète bleue. Pourtant, un voile de secret enveloppait toujours la position des États-Unis concernant les extraterrestres. Les spéculations tourbillonnaient. Certains soutenaient qu'il s'agissait d'une quête de technologie extraterrestre avancée, avec des rêves de rétro-ingénierie d'engins futuristes et d'armements venus d'ailleurs. Cependant, une incohérence persistait. Selon l'indice de l'innovation de Bloomberg de 2020, les États-Unis se classaient modestement 9e en matière d'innovation mondiale, derrière des pays comme l'Allemagne, la Corée du Sud et Singapour. Cela soulevait la question. Si les États-Unis détenaient des secrets extraterrestres, ne devraient-ils pas dominer le paysage technologique? Ou sacrifiaient-ils le progrès pour protéger leurs connaissances énigmatiques? Peut-être que la technologie extraterrestre restait une énigme,
ces secrets enfermés dans des hiéroglyphes cryptiques. Dans les moments de réflexion qui ont suivi, il était essentiel de reconnaître que chaque président moderne des États-Unis avait le pouvoir de déverrouiller et de révéler les secrets enfouis dans les dossiers sur les ovnis. Leur compréhension des vérités cachées dépassait probablement celle de la plupart des Américains. Le mystère persistant, cependant, était de savoir si la connaissance dissimulée méritait d'être divulguée au public ou restait un secret dangereux, destiné à hanter les ombres de la curiosité humaine. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.